Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Qui te fricate, te ferme porte yo. Plusieurs citoyens nous t'ont interrogé, dénoncé phénomène de sécurité gang yo tabli dans la capitale là, pendant yo raconté qui jan sa gen gros conséquences sur activité yo. Yon l'idée sous jan situation pays avec déclaration quelques citoyens qui t'ont sous route à yo poa, Namiko, Joubert Joseph avec Jude Madestra. Mais est-ce que les contrats ont un impact sur l'activité? C'est quoi l'impact? Par exemple, même moi, je n'ai pas capé le sol, je n'ai pas qu'à manger, 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 je n'ai pas qu'à manger. Je suis associé à comme des mêmes bagages. Je suis associé à comme des mêmes bagages. Dans les pays, il y a des gens qui sont petits. Depuis, il y a des gens qui sont petits. Tout au passé, il y a des gens qui sont petits. Parce que même pas pour l'ancienne Haïtien. Oui, Haïtien a fait plus de bagages. Oui, ça qui est dans le pays là, pour moi, c'est l'État qui est. On va parler de l'insécurité. Oui, insécurité. C'est responsable de l'État. Des fois, elle va parler de l'État qui est. C'est comme ça pour elle moi-même. Parce que même si on a même du mal à l'égalité, qui a pensé avec ce qui a son problème, il y a même des baguettes. Il y a des têtes. Il y a pensé tout. Yo, ouais, bah, yo, ma bon, si on a été comme ça, yo, c'est au pédé. Par contre, dans la parce que, elle a gagné tête, la pensée, chaque tête de la carrière, les gens qui sont dans les gens, ils ont la bouche, ils ont mal à la carrière. Bon, et c'est qui t'a le pape tout. Pour moi, je suis pas malé tellement. Ouais, qu'on y a, chaque fois qu'on y a, tout le monde qui vient dans le ghetto là, yo, vous qui en l'air avec eux, comme si l'on maillot, et c'est qui t'a pas pour dire que l'on l'air avec eux. Moi, même en Haïti, ça, ouais, qu'il y a l'état qui appelle. On va être sur passer des gens qui sont là. Lui a bloqué depuis la matinée. Au petit moment où elle s'est arrivée, la police dans 5 minutes. Yo qui t'a débloqué, ça veut dire que tu es capable de faire volonté au baguette. Ça veut dire que ça veut dire bon, ça veut dire bien haut. Ça veut dire même que nous avons parlé de système. Nous, tout ça, nous parlons de système. Mais yo prend la police là, yo prend le mettre dans la barre, yo prend la justice, yo mettre dans la barre, qui font ouais, ça veut dire que ça veut dire que c'est un petit aller à occupation, pas de problème, on va se faire travailler. Nous allons mettre dans la menu et la vie qu'on fait. Dans le moment gang Ameyo recommencer à faire armes chanter, semer panique et puis bloquer circulation dans la zone métropolitaine, non? Premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry, déclaré lundi, volonté gouvernement l'a dirigé, c'est pour tout le monde dans le pays à vivre en sécurité. Et une priorité, c'est la paix et la sécurité qui doit rétablir tout côté. Dr. Henry fait déclaration ça, dans une conférence pour la presse, dans la résidence officielle Premier ministre Musso, après une réunion Conseil supérieur police nationale, la CSPN, qui déroulait sous insécurité. Président CSPN n'en dit li admet situation en bayan pile tête chargée après elle te gagne un sentiment te commencé gagne amélioration. Décision à prendre pour bay problème sécurité à réponse, déclaration Dr. Ariel Henry, dans micro Hervé Noël, à Réginald de Jean-Louis. M'excusez-moi,
auprès de toute presse là pour tant que nous faisons entendre. Beaucoup plus bonheur pour que nous soyons capables de parler avec la presse. Nous sommes en longue CSPO. Mais dis-nous que préoccupation du gouvernement, c'est que tout le monde dans le pays vive en sécurité. Il y a un principe qui est bien important pour nous, pour le gouvernement, une priorité de notre gouvernement, c'est que c'est rétablir la sécurité. Situation Jean-Lila, son situation qui est préoccupante. Il est préoccupant, c'est peut-être ça. Nous réunissons ces espérants et nous prenons un certain nombre de décisions pour que nous puissions retrouver nous plus en sécurité à l'intérieur du pays. Sécurité, c'est pour un bagaille qui évolue de façon statique. C'est-à-dire que tout le bagaille allait bien. Pendant un certain temps, nous avons un sentiment que le bagaille allait bien, le bagaille allait un peu moins bien. Et c'est peut-être ça que nous allons passer, chef de la police, hein, la parole, pour que Nika dise nous deux, trois mots. Directeur général PNH là, Léon Charles, confirmé en fusillade fête dans soirée dimanche là, dans Delma 43, côté selon Saldi, la police pas de gain temps identifié plaque yon machine qui était vide balle sur un groupe monde. Léon Charles pas capable bailler précision sur quantité monde qui blessé ou bien mouri dans fusillade là. Puis loin, commandant en chef AI PNH là qui en bas en pile critique, annoncé la police qu'allé gel sous vite l'homme yon bandit cap opéré dans Torcel qui fait tête li passer pour businessman et puis cap assassiner policier si met l'intérêt. Limandé population en collaborer avec la police pour yon ka mette main sous bandit. Léon Charles. Justement, c'est même phénomène, c'est le cas phénomène d'insécurité que nous parlé là. Hier soir, il y a des machines qui passaient dans la zone d'Elma 43. Il y a des gens qui sont victimes. La police là, les premiers éléments machines, ça ou le lit, marque lit. Malheureusement, le paquet est plat là. Donc il prend pour nous renforcer présence là pour que nous éviter genre de violence à la population. Et va profiter pour moi retourner sur appel qu'il va faire sur la population. À la population pour nous joindre collaboration. La police est victime de bandits. Mais nous-mêmes, nous, en tant que journalistes, en tant que maman, papa, qui a pu nous bénir, nous victimes de phénomène ça. On mettait ensemble avec la police. Nous avons une police qui est engagée. Avec moi, c'est 26 ans d'expérience que nous gagnons, pour certaines expertises que nous développons dans nos domaines. Il y a des hauts et des bas. Nous avons continué de travailler. Pour que toute gang qui a des problèmes, quoi des bouquets, vite l'homme, on a une fixation sur vite l'homme. Parce que nous sommes assassinés pour ici, nous sommes assassinés. Vite l'homme sont bandits, oui. On ne peut pas faire tête au passé pour un homme d'affaires. L'autre qui dit, il a privé sur la police, là, force là, c'est la même nuit. Calme. Calme. Et avec appui population, on a privé. Résoudre ou bien diminuer le nombre de cas de violence. Tirer sur le monde pour qui ça? Le monde qui est blessé hier, qui ça vous fait bandit? Nous avons notre objectif, mais l'objectif de la police, c'est stopper ou peur. Ou la police n'a pas peur. Il faut travailler avec la population pour que la peur change de camp. C'est le bandit qui vous peur. Il m'a appelé un bandit. Durée de vie au bandit, il va dépasser 2-3 ans. Je vais filmer. Gré son nez côté. Tout monsieur ça va des audios, nous allons joindre. Monsieur ça va passer déjà. C'est ça me promet nous en tant que chef de police. C'est travail moi et ça m'a fait. Merci. Directeur général AI PNH là promet yon l'autre fois encore institution à diriger à priver sous tout bandit qui a fait la loi yo et li prend au sérieux attaque qu'a fait en bas la ville là menace qui gagne sous prison yo sans compter sur route aéroport.
Léon Charles fait connaître gang caché d'IFEA qui dans G9 déjà assassiné 5 policiers, attaqué 4 commissariats. Pendant le souligner, gagnant opération qui était montée vendredi passé pour yoter arrêté bandit sa yo. Chef la police la voye message by mam gang yo pour le dire PNA sou yo depuis dimanche soir passé matin lundi ya pour continuer dans jou kap vini yo. Yo pap suspend travail. Sous ka kidnapping yo qui a multiplié dans zone métropolitaine non, Léon Charles déclaré gen plus matériel yo devait recevoir pour yo ka mete main sous kidnappé yo. Léon Charles, toujours dans micro, Hervé Noël, à Réginal de Jean-Louis. Pap dit tout simplement, bandit qui voulait faire la loi, faut que vous connaissez déjà, c'est des hauts la loi que vous voyez, quel que soit activité que APC fait pour faire mon peur. Rôle la police, ça c'est protéger et servir. Rôle la police, ça c'est prendre toute disposition pour que Bandien retrouve le côté supposé des barreaux dans la prison. La police a identifié tout bandit, tout côté bandit a un problème. Et la police n'a pas chambouqué, monté opération pour traquer eux. Empêcher yo que pour aussi mettre la pérèse dans la population. C'est ça que fait. Dernièrement, vendredi dernier, nous démontrons une opération pour détraquer bandits, cracher du feu, depuis quelque temps, à terroriser la population. M'a dit, cracher du feu, spécifiquement, touiller pour nous 5 policiers, attaquer 4 commissariats. Depuis 2 mois, la police a collecté l'information, monté filature qui fait que bandit crée les malinois, il n'est plus. Et c'est chemin ça qui tracé pour tout l'autre bandit qui a fait mon peuple. Tout l'autre bandit qui a pris pause, qui a fait la loi, la police a privé sur eux. De toute façon, nous présents, menace qu'a fait, nous prenons, nous analysons, nous prenons disposition pour que zone ça sécurisée, bandits ont été dans l'espace que y a au fur et à mesure n'a privé sur eux. Attaque qu'a fait sur la ville. Menace qui est sous prison. Menace qui est sous l'aéroport. La police a dit population, Lila. Hier soir, toute nuit là. Jeudi, toute journée, demain, toute semaine, il reste qui était bandits, nous sous nous. La police là a cherché nous. La police a privé sous nous. Mais tout pour nous faire, nous besoin d'appui population. Appui population ça, qui veut aller travailler. Pour tout le monde à l'école prochainement, l'école ouvrir. Pour tout machin nous lever à dégager dans la rue. Nous sommes un pays qui a des difficultés déjà. Donc, bandit, a tout le temps à ennuyer santé nous, à bail problème. La police, avec toute force que l'on gagne, a collecté information avec appui population, jour après l'autre. Ou bien tout en même temps, bandit a une réponse que la police a supposé faire. Kidnapping, non, sont l'autre forme de violence que bandit a toujours appliqué pour détruire famille, pour terroriser mon nom. C'est vrai, dernièrement, on hausse dans la forme de violence. La police a analysé Kayo, gardé tendance, qui boit au premier, qui boit à la veille, et on continue à faire ça, nous qu'on fait. Nous avons continué à demander des CPJ, qui c'est police judiciaire qui a 25 ans pour faire travail ça. Il y a plus de matériel nous supposons recevoir pour nous craquer de façon pour nous utiliser des technologies. C'est vrai pour certaines résurgences dans le cas de la pignon, mais la police, même gens, qui a traqué bandit, qui a boulé, qui a pillé, kidnappé, nous avons cellules qu'on est capable de faire travail là
et réduire et stopper genre de violence à sa population. Historien Georges Michel déclarait le pape étonné si Gangyo, qui tellement paraît puissant, Tamashi prend palais national. Dans une interview de la radio Kiskeya, Dr. Michel, ancien professeur dans l'Académie militaire, déclaré c'est celle yon intervention militaire étrangère qui est capable de faire Gangyo rentrer dans Kokiyo. Docteur Georges Michel, dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Historien son journaliste qui voit les yeux dans ce qui passe déjà. Mais ouais, je commençais comme journaliste. En 1972, la radio a été interdite avec Jean-Léopold Dominique Défunt. Moi, ouais, une bonne situation pour ça n'a vivre là, développer dans le pays Liban, dans le pays Tchad, dans le pays Sierra Leone, dans le pays Libéria, dans le pays Afghanistan, dans le pays Somalie. Pas un secret dans ce cas-là. L'eau a joué à du feu, c'est normal pour bouler. L'eau boule bois, on fait sans. Donc, ou une prolifération de gang, ça y aurait les warlords, seigneurs de la guerrière, tout ça au tas de blanc depuis 1995. Pour pas craser l'armée, parce que si l'armée qui a pêché, phénomène ça, paraît, c'est pas la police, c'est pas le job la police. Bah, et ça, ils ont refusé d'attendre. On dirait pas attendre dans les oreilles, selon l'autre partie dans le corps que attendait. Par contre, qui pas attendre, pas dans les oreilles, attendait. Soit là, nous vivons avant 1915. Ou bien doit pas vivre ou première occupation, hein? Mais au moins, il était fond bagarre, il pacifié le pays. Hein? Parce que quand Kouyoté là était corps dans le pays, à chaque temps en temps, il était sorti dans la province, entre Port-au-Prince, il était le gouvernement. Mais fois ça, ou bien Kakouyo à demeure, Kakouyo sous place, sur la ville là, et au commandé, c'est au cap dirigé. Américains envahissent le pays en 1915, et pour être qu'à avancer dans le projet, il est obligé de caser Kakouyo. Par contre, comment on a débarrassé à Gang Sao, mais il a transformé le pays en Somalie pour nous. Grand moins des fins, c'est si nous constatons que l'autre gagne 9 ans, il est obligé de coucher à plat vente dans le portail Saint-Joseph. Côté autorité, là où il y a un rempart, oui, parce que Kakouyo a tiré et mon grand maman était obligée de mettre des matelas dans la porte de la fenêtre pour amortir la balle. Parce que c'était une balle perdue qui blessait le monde, qui tuait le monde. Donc, on a un phénomène Kakoula et on a un phénomène Somali, on a un phénomène Taliban. C'est dans ça qu'on y est. Si on pas qu'à voir ça, on vient au bled ça pour vous. Mais le pays a la main gang et gang a plus fort que le gouvernement. Moi, je ne peux pas saisir. Comme ça, ouais, son jour, quand ils ont entré dans le palais national, prendre tout ministre, premier ministre, il a prié, qui est au chef gang, autour de proclamer le président du pays. Ça qu'a fait, quand tout ça fait dans notre pays, comme ce cité. Qui sont comprend appel pour démission premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry, comme exigence pour le criminel ça y est fait. Criminel, il y a un agenda, et moi-même, je suis très inquiet parce que quand comme d'eau, il y a un arrêté, il y a un capi fort que la police nationale là. Nationale la courir parce que police nationale a la même situation vis-à-vis de Gangyo que l'armée nationale afghane maintenant face taliban de démoraliser voir que ça boumé que ça va mourir pour le gouvernement donc n'importe qui ça qui arrive et moi même abdon bagaille ça qui tête même pas moi c'est que c'est seulement intervention étrangère pour faire donc ça rentrer dans le coquille selon même qui responsabilité pouvoir la justice avec la police et puis capacité société a pour porter une réponse à phénomène ça après la vie impossible en Haïti. Chaque monde a une responsabilité. L'eau a joué du feu, c'est normal pour venir bouler. Il y a des politiciens qui n'ont pas cité non, mais ils ont des identité. Le président Abinader dit que qu'on a l'identité. Qui bat bandit ça aux armes, à munitions, ils comprennent son bon bagage, ils font tête, ou son bagage qui nuisible pour payer et que même y a payé. Ensuite, le gouvernement n'est pas prendre mesure de situation, qui gens que lui-même n'est pas représenté reposer sur grand chose. Moi, je crois que c'est pour être mettre orgueil des côtés, demander une assistance internationale pour faire gagner entrer dans le coquille. Assistance internationale. Comité exécutif Parti Racine Camp Peuple dénoncé façon aide à privé joindre victime tremblement de terre 14 août là. Dans une conférence pour la presse, porte-parole Patia, économiste Camille Chalmers, souligné catastrophe la montré à clair qui qualité l'État pays a gagné, à qui politique l'État a mené. Dirigeant politique l'a ajouté, aide qui disponible n'a pas suffi, n'a pas arrivé à joindre victime selon besoin chaque zone. Camille Chalmers souhaitait autorité garder question aide urgence là avec en pile précaution pour aide là pas tourner en pique en coin là, n'en créer dépendance. Craser agriculture pour empêcher reconstruction. Camille Chalmers, dans le micro, Laurie Louis-Jeanne et Colin Hildorest. Pris ça, aucun chaîne tremblementaire ça, ils sont révélateurs de qui qualité l'État qu'on gagne. Ils sont révélateurs tout de qui qualité politique l'État. Ça. Notamment, on voit que c'est des zones qui pratiquement
jusqu'à présent, le milieu rural n'a pas reçu la plus forte aide disponible. Même si nous connaissons que l'aide disponible très souvent n'est pas suffisante. Mais ils sont concentrés surtout au niveau milieu urbain. Et très souvent, c'est une aide qui n'est pas appropriée. Puisque nous voyons par exemple qu'il y a vidé de l'eau sous zone côté que c'est abondance de l'eau qui vient. Il y a vidé manger sous zone côté que ce n'est pas problème manger qui vient, c'est de l'autre problème qui vient, c'est problème justement de reconstruction caille, c'est problème de qui j'en a protégé la vie qui a dormi dans la rue, qui a dormi en battant, qui j'en a reconstruit toute institution et toute infrastructure collective, tant pour l'école, tant pour le centre de santé, tant pour l'hôpital. Par exemple, il y a des gros hôpitaux de référence qui étaient vraiment un orgueil aux zones qui tombaient. Donc, je dis, c'est priorité ça. Et priorité ça, ce n'est pas les mêmes qui traversaient sa capacité, puisque nous avons l'État qui, en général, n'a pas jamais occupé de priorité la vie de notre pays. Hein. Ce sont l'État qui va être dos à la nation, qui va être dos à la population, hein, et qui plus travaille dans l'intérêt impérialiste, avec l'intérêt qui est une grande famille et oligarchie. Hein. Donc, frappe ça, c'est un moment pour nous capables de réfléchir, non seulement sur la belle solidarité nous qui a commencé à pleuver dans le pays, hein, parce que c'est une très belle barrière, que nous avons plus de jeunes, plus de professionnels, docteurs, infirmières, courir à nos zones, pour capables de faire coup de main. Nous pensons que bah, ça doit continuer, parce qu'en pile monde aujourd'hui, hein, nous dans la situation d'urgence, nous-mêmes, nous avons pile militants racines qu'on peut planquer jusqu'à présent, abdormi à la belle étoile. Donc, nous pensons qu'il faut que nous continuions manifester solidarité. Nous, avec ça nous gagne, même si nous pas grand pile, mais que nous voyons qui ça nous a fait et que et solidarité ça nous faut effort tout pour le capable coordonner de façon que nous éviter répétition et parfois des interventions qui ne sont pas forcément utiles. Donc, dans ce sens, ça, nous pensons que c'est le moment que nous faisons pas en avant, nous préparer nous pour des situations d'urgence parce que gestion des situations d'urgence, c'est avant l'urgence qu'on fait. Ce n'est pas l'urgence déclarée. Ces structures qu'on mettait en place avant l'urgence qui permettent de répondre à l'urgence. Et malheureusement, nous voyons que malgré qu'il y a des structures à travers le système national de gestion du risque de désastre qui est dans le pays depuis 2005, mais nous voyons qu'un pile là n'est pas opérationnel, un pile là n'est pas de moyens, il n'y a pas de stocks pour de prépositionner. Et il y a même tout en crise à cause de crise politique. Je ne vais pas oublier, mais il y a un rôle important dans la coordination et couru au niveau municipal. Et maire qui gagne la journée, c'est des agents exécutifs intérimaires, donc des gens qui n'ont pas de légitimité très souvent et qui sont plus représentés au camp politique. Donc ils n'ont pas de capacité ni légitimité pour être capable de mobiliser une réponse à la main. Donc Parti Racine Campé Blanc salue encore une fois, solidarité ça. Demandez nous pour être capable de garder la question de l'urgence avec un peu de précaution. De façon que l'aide d'urgence n'a pas un pic en point là qui empêchait nous de faire une belle reconstruction. Parce que très souvent, dans le moment urgence, il a créé des habitudes de dépendance. Il a créé par exemple, il y a un gros bail qui a menacé le pays. C'est que les zones sont zones qui produisent un pile manger. Et si les paysans sont découragés, ont quitté le travail à la terre, il y a un bidonville local, bidonville Jérémy, bidonville Port-au-Prince. Encore une fois, c'est l'agriculture qui a frappé. Ses capacités pour payer nourrir tête libre qui a baissé. Donc très rapidement, il faut être capable d'aider Mounio à entrer dans un processus de recapitalisation. Toute une bonne entreprise, c'est entreprise moyenne, entreprise qui disparaît avec toute infrastructure de gain, il faut être capable d'aider à reconstruire la tête de façon que vous restez dans la zone et que vous êtes capable de refaire la vie dans la zone et que vous êtes capable de continuer à produire pour respirer. Parce que c'est ça qui est un jeu fondamental. Là. Et nous pensons que l'aide humanitaire, là, et je dis en lien tel au niveau mondial, près de 40 milliards de dollars américains, dans le panier aide au niveau global, et 40 milliards qui aident humanitaire. Donc, il est transformé en véritable business de l'humanitaire, pour dire qu'il n'y a pas qu'une grosse entreprise, grosse ONG qui a profité de la situation humanitaire. Ça, très souvent, nous avons plus renforcé tête, renforcé bureaucratie, que vraiment intervenu sur le terrain. Donc, dans ce sens-là, il faut que nous soyons capables d'acteurs de la question de réponse. Et ils nous joignent des réponses qui connectent nous directement dans la période de réhabilitation, dans la période de reconstruction. Secrétaire général Parti Racine Campepla, Marc Arthur Fizimé, fait connaître sous Bropal, tremblement de terre, c'est le résultat d'une catastrophe naturelle qui marie avec une catastrophe sociale et puis politique. Dans un texte qui peut être dit, trop menti politicien à droite et extrême droite, yon pas fond, parti a écrit l'établi, responsable à critiquer politicien à droite yon pour façon à profiter de misère population
pour endioser victime yo nan ba yo kit manger à kek pou la. Yo fait même ça ancien président Jovenel Moïse te fait les ouragan Matthew te passé à en 2016 toujours selon Marc Arthur Fizimi. Nous gagnons un texte nous relé trop menti policien la droite à extrême droite traditionnelle yo pa fond et n'a pas expliqué pour qui ça nous ba titre ça. Parti Racine Grand Peuple a partagé douleur avec la peine population trois départements Grand Sud là qui victime en bas gros chaîne tremblement terre 7.2 journée samedi et matin 14 août là. Nous couper bien bas pour nous saluer toute famille et communauté victime yo. En même temps nous saluer bel élan solidarité qui traverse le pays à côté en pile organisation. En pile professionnel à porter concours comme volontaire pour aider victimes à reconstruire la vie. Chapeau bas pour nous tous. Mais, malheureusement, qualité de l'État néocolonial qui a contrôlé le pays depuis le 19e siècle, là, pas de gens prennent mes pour empêcher le phénomène naturel, la science pas qu'arriver dont jusqu'à présent, fait moins de dégâts dans le pays. Résultat, de l'eau dans le tremblement de terre. Et non, colonial, qui a contrôlé le pays depuis le 19e siècle, pas de gens prennent mes pour empêcher. Comme si, c'est une génération, l'oreille à peine calée. Avant, yo, pas de gagner la Mekako, qui a bataille contre l'occupation en 1915. Contre impérialiste américain, hein, si nous pas vu aller plus loin toujours. Pas te gagner yon Jacques Roumain qui te mette l'élite en classe yo, nan vrai place yo. L'élite dit, la couleur n'est rien, la classe est tout. Pas te gagner yon Jacques Soleil, pas te gagner camarade PCH yo, qui te éclairé lumière masse yo, sous chemin pour croire dictature du Valier. Pas gagner un pilote camarade et un pilote camarade qui a continué la bataille là toujours pour chasser le système de ressources. Il y a des fonds à clé, que les policiers traditionnels ont des fonds à clé ou bien bachal. Liberté la parole, nous avons vu aujourd'hui, c'est le résultat de la bataille. Tout militant qui ne peut pas battre l'estomac pour dire qu'il se met en opposition. Il n'y a pas même crainte de mettre dans quatre visites politiques, service. Yo connaît rend quelques militants qui sont en difficulté. Conscience politique révolutionnaire, non, ou bien progressiste, yo pas permettre, tant que bon opportuniste, yo voulez faire revendication peuple là, passer pour résultat travail. Ce n'est pas gros gagan dans les médias, travail conscientisation marche, yo fait. Politiciens traditionnels, yo ramassé parole peuple là, les li di, li veut changer le système. Mais yo pas jamais non, mais. Ni ça ouvre les changer, ni ça ouvre le venir à clair. Comme si système politique, régime politique. Plateforme Haïtien Patriote PAP, qui regroupe une vingtaine d'organisations et partis politiques alliés des fins président Jovenel Moïse, tant qu'au grappé ASDDA, CMR, PDI, RNTK, ak nou pap complice dénoncé yon série accord politique moun pa yo di k'ap fèt kont peuple la. Responsable parti ak organisation sa yo mande justice pour ancien président de facto a yo te assassiné nan chanm la kayli 7 juillet passé a. Nan yon conférence pour la presse nan le Vilat, coordonnateur général plateforme Haïtien Patriote Quinton Louis fait konnen pa kapab gen accord sans participation allié Jovenel Moïse yo. Coordonnate papla qui dit yo pa gen aucun problème pour yo joindre un accord avec l'autre moun yo averti c'est la façon pour yon moun entrer dans palais national c'est dans élection pour l'aller pa gen question transition 2 ans. Quinton Louis dans micro d'Hydro Parent avec Jean-Joseph Nono. Ministre éducation nationale gouvernement de facto Marie-Lucie Joseph annoncé formation yon commission plusieurs ministères pour travailler sur réouverture l'école là. Même commission ça qui rassemblait travaux publics ensemble finance et éducation dans une conférence pour la presse lundi à Marie-Lucie Joseph de la société civile qui a eu un rôle dans travail pour l'école dans grand studio qui a recampé.
les souligner gouvernement envoyé rentrer l'école là pour être capable bailler parents yo temps pour nous préparer yo et puis promettre autorité yo que l'irie joigne justice aider élèves dans grand studio rattraper semaine l'école yo pédi yo ministre Marie-Lucie Joseph dans micro Joubert Joseph avec Jude Madeleine par les ennemis le premier ministre Ariel Henry a annoncé par les ennemis du peuple haïtien non j'ai dit dès septembre là l'école Aïssa a ouvert ensemble d'organisations et partis politiques qui en dedans le premier coup de l'école dans le département de Grand-Sud-là pour dénoncer le 21 septembre nous assemblons un accord nous déclarons l'école qui n'a pas trois départements de Grand-Sud-là qui était okay. Si complémentaire et a commencé l'ouvrir dans la date 4 octobre 2021. C'est pas mon accord ça. C'est un changement dans le calendrier ministère qui est adopté dans le mois de 2021. Gagner un accord. Pour qui ça? Mais changement un accord inclusif. Décision ça prend avec conseil ministre qui devait être ensemble aujourd'hui pour deux raisons. Pour signer accord de coupage. Parce que nous prenons goudou goudou 14 ans. Fait un pile dégâts dans le site. Yo te toujours en pile l'école à cause des violons, yo. En pile parents civils dommage. En pile simons brûlés. L'école de civil, pas parler pour les équatifs. Président Jovenel, jusqu'à ce que. Deuxième raison, assassiné. En pile parents civils dégradation économique. Dans le moment où il dit le fait. Et puis la troublage de différentes régions dans le pays. Il y a besoin de râler au souffle. Nation sans la une participation pour gérer question des alliés du président ministère de l'éducation a fait une chance pour rattraper ces des semaines d'école dans la zone ça qui a signé accord pour grand site là et disposition capable pour rattraper assassiné caractère président pas fait je dis à yon même encore. Mais pour qu'on y ait, gouvernement a travaillé à toute organisation qui combat nous n'avons aucun problème. Nous finançons l'éducation, tant pour BID, Banque mondiale, pour sauver la nation, Union européenne, l'UNICEF, partenariat mondial pour l'éducation, les AIT, et tout le pays dans le pays d'Haïti. Pour que nous venions à bord. Gouvernement après ces voix. Pour nous aller et vers les élections. Ça, dans une conférence avec tous les partenaires ministères qui financent l'éducation. Pour nous rentrer dans le palais national. Pour nous dire qui nous aide. Pour nous président de l'OBIA. Tout élève. C'est dans l'élection du sportif. Là, qui gagne l'école. Parce que seul nous, qui gagne pouvoir. Ou soit crassé net. Ou bien qui gagne pas dans les victimes des gars de l'OBIA. Travailler sur l'école qui veut une adhésion, seule manière pour jeune avant n'a parlé avec partenaire c'est une élection pour aller programme subvention pour parler peuple pas d'accord programme pour dans l'école c'est élection qui nous fait peuple haïtien c'est pour nous lever campé pour nous dire nous pas voulons transition parce que tout nèg sa yo c'est transition. Deux ans, ils ont besoin pour qu'ils aillent piller. Et peuple haïtien, si nous quittons les gens, mener nous la transition deux ans, ils ont fourré dossier justice pour le président Jovenel à l'Ontiroi et ils plié. C'est ça que fait. Il faut que nous toujours unifroi nous pour nous dire justice pour le président Jovenel. L'on assassiné le président République là ou assassiné le peuple haïtien. Depuis l'assassinat lâche et crapuleux de la nuit du 6 au 7 juillet 2021 du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, en sa résidence privée à Pèlerin 5, le pays fait face à une crise institutionnelle sans précédent, car aucun prescrit de la Charte fondamentale de 1987 n'avait prévu de dispositions légales permettant de rétablir l'ordre démocratique en cas de vacances présidentielles et du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Cependant, face au flou constitutionnel constaté, la solution la plus rapprochée de l'esprit de la Constitution de 1987 amendée
est l'application de l'article 149 stipulant en cas de vacance de la présidence de la République, soit par démission, destitution, décès ou en cas de capacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection d'un autre président. Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République, pour le temps qui reste à courir, a lieu 60 jours au moins et 120 jours au plus, conformément à la Constitution et à la loi électorale. Mais, face à l'ampleur de la crise sociopolitique que traverse le pays, l'application stricte du dit article ne garantit ni la stabilité politique recherchée, ni le redressement démocratique escompté. Alors, pour arriver au redressement démocratique, un accord politique inclusif s'impose. En tenant compte que l'actuel Premier ministre, M. Ariel Henry, a été nommé par arrêté présidentiel en date du 5 juillet 2021 pour composer un gouvernement d'ouverture incluant les forces vives de la nation et ayant une feuille de route concise consistant à résoudre le problème criant de l'insécurité et à accompagner le Conseil électoral provisoire pour la réalisation des élections générales et du référendum. Mais, avec les tristes événements du 7 juillet, à cette feuille de route s'ajoute le devoir de rendre justice à la famille Moïse et au peuple haïtien. Les partis politiques et organisations de la société civile, signataires du présent document, ont constaté que la situation sociopolitique continue de se dégrader, voire s'empirer avec le séisme dévastateur du 14 août 2021, plongeant le Grand Sud dans une situation humanitaire critique. Pour cela, la plateforme Haïtien Patriote, consciente de la situation alarmante que traverse le pays, a décidé de fusionner ses ressources tout en conjuguant ses efforts en vue d'offrir à la République un document pour un accord inclusif devant conduire à la réforme constitutionnelle et aux élections libres, honnêtes et transparentes. Car, en absence d'une base constitutionnelle, seul un accord de cette envergure pourra légitimer toute action politique devant conduire au rétablissement de l'ordre démocratique. Considération générale. Considérant que l'assassinat du président Jovenel Moïse est un affront à la souveraineté nationale et aux valeurs républicaines. Considérant que ce crime de lèse-patrie plonge la République dans une crise institutionnelle aiguë. Considérant que justice doit être rendue au président Jovenel Moïse. Considérant que la situation sécuritaire du pays se dégrade au fur et à mesure que la crise sociopolitique s'accentue. Considérant qu'aucun accord politique ne doit reproduire le schéma d'exclusion de l'article 291 de la Constitution de 1987 en excluant l'un des protagonistes, les partisans et alliés du président Jovenel Moïse. Fort de ces considérations, ces partis politiques et organisations de la société civile ont mis sur pied une plateforme politique, sociopolitique dénommée Plateforme Haïtien Patriote, dans le but de faire une plaidoirie en faveur d'un accord inclusif avec les vrais protagonistes de la crise haïtienne.
Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.